Bienvenue dans cette deuxième journée en direct de Bangkok. Merci d'être présent pour suivre l'aventure. Il est exactement 12h20 et nous allons tout de suite chercher un petit coin pour prendre le petit premier repas. Parce qu'il fait faim. Donc aujourd'hui on va aller en direction. T'as l'adresse, c'est bon? Tu sais où c'est sur la carte? Oui, tout à fait, t'as la carte? J'ai la carte. On va aller en direction de marché d'électronique pour essayer d'acheter une caméra espion. Oh. Très bien, on l'a retrouvé, il est pas très loin de la maison. Petit truc japonais pour manger simplement. De toute façon, on n'a pas encore trouvé de restaurant thaï pas loin de chez nous, donc ça fera l'affaire. On est donc installé dans le restaurant japonais et on vient de prendre les tonkatsu. Tonkatsu, qu'est-ce que c'est la spécialité de base du japonais avec une escalope panée, du riz et une petite soupe miso. Très bonne explication. Ah ouais, c'est la belle intro. Oui, nickel. Alors aujourd'hui, on va prendre le métro. C'est exactement le métro aérien, puisqu'il y a des lignes aériennes. Quoi, ça vole? Ça vole, exactement. Oula! Elle va te montrer comment ça marche. Ouais. Voilà. Tu choisis là où tu vas. Voilà, destination 15. Et tu mets les sous. On va où nous? C'est ça, non? Non? J'en sais rien du tout. Marqué où? T'as pas regardé tout à l'heure où c'est qu'on allait? Alors, comme d'habitude, attention, la carte, boum, recherche. Regarde. Je vous ai dit, on est là. On est là, à Nana. On va aller à. Ah, c'est pour ça qu'on sort. Ah, bah voilà, c'est ce que j'avais dit, Ratchatéoui. Voilà. C'est parti. Bon, 28. Mais t'es trop fort, dis-moi. Allez, 28. Est-ce que t'as 28 qui te fait? Non. En pièces, non. En pièces, non. Non, non, mais on va changer les pièces. Bordel. Tiens, vas-y, demande-lui si on peut acheter des cartes. Unlimited card. Hello. Hello. Tu veux pas lui demander si on peut acheter des cartes? Oui, on peut demander. Can we have cards? Need to pass? Debit card? Yes. Mm-hmm. 200 baht brand new card. Yes. Ok. Okay. Multipass. C'est écrit dans un sac à main et menton. Multipass. Multipass. Là, tu lâches 400. Ce qui nous fait la carte 200, ça fait combien 200? Je sais plus si j'ai 400. 200, ça fait 6€ la carte d'abonnement. Enfin, la carte Multipass. 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 Eh ben voilà, en plus on a une vue sympa d'ici. Waouh, quelle vue extraordinaire. Eh, hey, un combat de Muay Thai. Faut aller voir ça. Note, c'est où? Ben, je sais pas. Lufthansa, non? Non. Muay Thai, C'est blindé. Oula. Il y a des gants orange de partout, mec. Ils sont là aussi. Ils sont partout. Ils vous surveillent. Attention. Water Festival. Ah bah oui, Water Festival, c'est pour ça qu'on est là. À cette époque. Le 14-15, il va y avoir un festival de l'eau dans toute la ville. Déjà que c'est le bordel, ça va être encore plus. Mais mouillé. Mouillé. Bordel mouillé. Dans un environnement hostile comme celui-ci, avec une chaleur aussi forte, il est important de beaucoup s'hydrater. Nous perdons à peu près 2 litres d'eau toutes les heures. Avec une chaleur pareille. Mais heureusement, il y a des 7-Eleven. Nous avec pouvons nous abreuver. Mais attention, car l'ennemi rôde de partout. Ah, moi. Finalement, j'ai pris du green tea, du Mont Fuji. Mont Fuji. Eh. Sauf qu'il a pris 2 heures à choisir. Ça, vous l'a pas dit. Ok. Le même, il fait pareil. Ah ouais, il y a le pot aussi. Ouais, ouais, il est pas mal. Il est vraiment bien. Ah, bon. Où ça? Lui ou lui? Ah, dans un quartier où il y a plein de plazas en fait et de centres commerciaux. Voilà, regarde la route. Ouais. C'est parti. C'est par là. Allez. Allez, c'est parti, vas-y. Ouais, messieurs, attention aujourd'hui. Exclusivité pour vous, je prends la caméra. Oui, 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 pendant peut-être 5 secondes si je peux la garder parce que là il va arriver. Il va arriver. Le parterre? Non, le parterre il est pas bien. On parle là, quoi? Quand je trouverai un beau parterre, je vous le montrerai, mais pour l'instant. Oui. Voilà, c'est ça, Panty Plaza, The Computer City. Donc c'est le building de l'électronique à Bangkok. Si vous voulez un truc d'électronique, c'est ici. Waouh! Regardez. Regardez le touriste qui est sur la pointe de la tête. Il n'y a rien de très extraordinaire. Mm-hmm. Nice. How much is it? Recording, hein? Yes.
3200 bahts, ce qui nous fait 90€ le Samsung S5. Mais non. Si. Scampi. Ah, Scampi. Oh, c'est le moine qui met une protection sur sa tablette. Hello. C'est des moines high-tech. C'est très, il y a plus que 3 étages, c'est vraiment très 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 grand. Là on est au rayon montage de tours pour les gamers. Ça c'est de la dégo avec les petits éclairs dedans de lumière, les liquides et tout. Wow. Voilà. Au final j'ai trouvé comment j'allais vous filmer des trucs discrètement. J'ai pas trouvé de petite caméra espion, mais du coup j'ai trouvé ce truc pour courir où on peut mettre le téléphone. Et je mettrai mon téléphone dedans pour enregistrer sur le côté quand je marche et vous pourrez voir toutes les boutiques. Il y a beaucoup de boutiques dans le coin là-bas, il y a une grande rue, je pense que ça doit être moins cher dans les rues quand même, le petit stand comme ça, non? Regarde. Where are you going? Nowhere. Tuk tuk? No. Taxi? No. Helicopter? No. Water ah, helicopter, yes. Yeah, ok. It's back there. Ah, helicopter? Yeah, it's back there. Je vais en prendre un. Du vrai jus. Ouais, du vrai jus. La maman elle, ou la copine, elle fait le jus d'orange. Elle est presse, et là on a du bon jus bien orange. Nous voilà donc dans un petit truc qu'on avait dit, avec plein de petits temps. T'es prêt à te lancer dans celle-là de rue? Ah ouais, moi je m'en fous, y aller. Allez, c'est parti. J'aime bien les dangers. Bon, Rémi, il passe en scooter, alors eux. Et voilà, nous sommes en mode fourmi. Ah, franchement, il y en a des vraiment pas mal. Il y a vraiment des t-shirts très très sympas, genre tu vois le Bob l'éponge là-haut. Finalement on prend des petits shorts, parce que moi comme vous savez je suis parti qu'avec un jean dans ma valise. Mais comme il fait très chaud, très humide et très moite, le jean ça frotte à l'entrejambe et ça commence à irriter un peu. Donc un petit short ça va être indispensable. C'est perdu, on est perdu. J'aime bien quand on se perd. Ouais, on va retomber sur un bout de marché à un moment. Ça met un peu de suspense. On est rentré dans un bâtiment je crois. C'est plus le marché dehors. Oula, ils ont pas beaucoup mangé. Oui bah là t'es officiellement perdu. Passons par-dessus une petite rivière. Ça, c'est la course des péniches, quoi. Ah, ouais. Je pense qu'on arrive à un lieu stratégique du dieu Ganesha, le seigneur du succès. Voilà le fameux Central World que je vous disais, l'énorme centre commercial. C'est tout ça. Ça part de là-bas, tout là-bas, jusqu'à là. C'est vraiment gigantesque. Alors, on va regarder dedans, voir à quoi ça ressemble. Oula, il y a un portique et tout. C'est haut. Oui, c'est haut. C'est énorme. Un cinéma là? Un cinéma là, ouais. Trouvez des petits restaurants sympas. Et c'est quoi les prix? Ça va. Ça va? 100? 100, ça fait 3€. 150? Ouais. Ding Dafung! Ding Dafung! C'est les dumplings ici! Allez, allez. Salut. Thai cuisine. Voilà, c'est chouette ça. Bon, c'est bon, il y en a plein, on va pas tous les faire. Hein. On sait que pour manger, on pourra venir là. Bah, si, il a bloqué sur du japonais. Voilà, regardez-le. Oui, c'est japonais, Eric. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien. Oui. Là, tu ris avec. Mais là, on est à Bangkok. Là, on va manger de Thaï. Oui, non, mais le Japon, c'est dans 3 semaines. Oui, mais j'aime bien le japonais. Bon, là, on a repéré les lieux, c'est plutôt sympa. Donc, on sait que si un soir on veut se caler, ben, on pourra venir ici. Mais là, on va continuer d'en faire dans le traditionnel. On va aller dans une rue plus atypique. Qu'il y a dans un quartier touristique et pour y aller, ben, on va voir si on peut prendre un tuk-tuk. Voilà, Rick qui prend la caméra. Vous en rêviez, il le fait. Ah mais prends soin des sols, c'est bien. Mais il faut. Carson Road. Okay. You know? Yeah. I know. How much is it? 300. Ah, too much. Ok, oh, this one for you. 150. 200. 200 is okay. 250, okay. 200 together. Yeah. 100, 100. 200. 200. Good? Kao San Road. No? Okay. Okay? Okay. Il est comme ça, les voitures. Oh là là, il va mourir, lui. Le briefing en direct. Le briefing, là, en direct. On est ici, d'accord? Ouais. On va faire toute cette rue là comme ça. Hop, on traverse une petite rivière. Traverse une deuxième rivière. Faut pas faire ça. L'endroit où il y a plein de temples de choses à voir et il y a le Khao San Road. Là on va manger ce soir. Très bien. Merci. Allez, pour cette indication. Le bruit. On est dans
a l'air pas mal cette petite route, une route piétonne, il vient nous déposer, regardez. En fait, il n'y a pas trop d'endroits pour manger ici. Surtout une rue piétonne avec, avec beaucoup de vêtements. Et j'ai vu 2-3 bars. On a fini la rue. En fait, c'est que des boutiques. On a juste vu un petit street food sympa. Fried rice chicken, c'est ça. On va prendre deux petites portions, 45, ce qui nous fait 1,40€ la portion. Ouais. Je vous ai pas montré, j'ai acheté au truc de Boxai un petit porte-clés en forme de grande box. Hello? Non, c'est ok. Non, non, je veux pas de crapaud. Non, non plus. Non, non, non. Demandez l'hélicoptère. Donc, je vous ai acheté l'hélicoptère. Oui. J'ai acheté un petit grand box comme ça au marché de Boxai et donc faudra aller à Lumpini. Si j'ai bien compris ce qu'il a dit. Lumpini, c'est ça? Ouais. Si on veut voir un match de boxe. Ouais, ça verra ça. Une petite assiette, somme toute, assez conséquente. Donc, je vous souhaite un très bon appétit. Bon, voilà, on rentre à la maison après avoir fait 3-4 taxis et personne qui veut mettre en route son petit truc, son petit décompteur. Il nous fait rentrer là à la maison pour 150 bahts, ce qui fait à peu près combien? 4 euros. 4 euros, ouais. Il fait à peu près 4 euros. C'est compliqué. De retour à la maison, montage terminé, il est pas très tard. 23h10 quand même, je vous fais le petit out de la vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu. Nous on a passé quand même une très bonne journée, on a beaucoup marché, on fait connaissance un petit peu avec Bangkok. Je vous remercie à tous pour votre soutien, tous les commentaires et tout, ça fait vraiment plaisir. Un merci particulier pour Julien, Florent, Marine, Christelle et Sylvain qui m'ont fait des petits dons sur le site. Enfin Marine et Sylvain qui m'ont donné quand même 50€, c'est juste fou, j'y ai pas cru quand j'ai vu ça, j'ai dû me connecter à PayPal pour voir. Donc vraiment un merci particulier à eux. Si vous voulez me soutenir également, vous pouvez cliquer sur le site internet qui est juste au-dessus. On se retrouve demain pour continuer les folles aventures avec mon cher ami Rick Lorenz. Yes, à demain. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit ou un bon réveil. Bisous des câlins. Et je vous dis hasta la vista.